C'est devenu l'événement de l'année. L'endroit est fantastique. L'ambiance commence à chauffer. Le site de l'année, il y en a tellement qui fonctionnent bien, c'est difficile. Et la barre est placée très haute. Vente privée. Pixmania. Bah, IB évidemment. Vice Minister. Cette année, c'est le suspense total. La FEVAD, si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Superbe dynamique. Pour nous, c'est véritablement le fer de lance. Le meilleur moyen de secouer la pulpe au fond du e-commerce. Une fois de plus, très belle organisation. Je pense que la soirée va être très belle. Bravo à la FEVAD. Et on attend avec impatience de voir de pouvoir fêter le e-commerce ce soir. Bonsoir. Vous allez savoir dans quelques instants quels sont les sites préférés des internautes. Favori du nouveau site est décerné à tati.fr. C'est une équipe logistique, une équipe créative, une équipe d'achat qui a travaillé ensemble sur cette année. Le favori de la meilleure innovation revient à 2heuresavant.com. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait très plaisir. La meilleure initiative d'un site en matière sociale, sociétale ou environnementale. Le nom du lauréat est aquidonner.com. Le favori du jury meilleure communication online est attribué à wegsncf.com pour bienvenue et au revoir. On a essayé de les surprendre et d'être près de leurs attentions pour faciliter leurs préférences. Alors, le favori est attribué au PMU.fr. Meilleur blog e-commerce est attribué à Malinéa Conseil. Je suis très émue. Je suis hyper contente d'être sur scène parce que c'est un moment historique aujourd'hui. Je viens de vendre, il y a quelques heures, là, Cash Store à eBay Club. Et le vainqueur 2010 de le prix de la performance est voyagesncf.com. Meilleur espoir e-commerce. Eh bien, je suis très heureux d'annoncer que c'est envie-de-fraise.fr. Merci à la FEVAD, merci Olivier pour l'organisation de ce nouveau prix. Le meilleur site de mode est kiabi.com. Le meilleur site de produits culturels revient à amazon.fr. Pixmania.com. Je suis très très fier pour mes équipes. govoyage.com. YvesRocher.fr. Le favori revient à Amazon.fr. Le gagnant est WelcomeOffice.com. Je crois que le succès, c'est surtout d'avoir énormément de produits sur le site. Meilleur site M-Commerce, une nouvelle catégorie créée cette année. eBay.fr. C'est une grande satisfaction pour moi personnellement, pour tous les salariés d'eBay en France et en Europe. On va maintenant découvrir le nom du gagnant de cette 4e édition de la Nuit des Favoris, le site préféré des internautes, celui qui a reçu la meilleure note de la part du plus grand nombre d'internautes, et Amazon.fr. Surtout un grand, 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 grand merci à tous nos clients. Merci, merci Marc. Pour moi, c'est mieux qu'un arbre de Noël, c'est la soirée de l'année, tout le monde se retrouve, tout le monde est sympa, se respecte beaucoup, c'est vraiment agréable. On aime tous participer à cette croissance du commerce. Une excellente soirée. Tip top en organisation. Il y a beaucoup de gens à rencontrer, beaucoup de petits fours à manger et beaucoup de champagne à boire, donc c'est très bien. C'est une super soirée, merci la FEVAD. Belle récompense pour 2heuresavant.com et à l'année prochaine. Pour Envie de Fraise, c'est génial. On est super contents. On reviendra l'année prochaine, encore plus fort, forcément.